Allez, salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spider-Man sur PS4. Donc là, on joue Miles, on vient de rencontrer Spider-Man, on l'a même frappé si je me souviens Yo bien. Miles, ça va ? Oh mon pote, tu vas pas me croire ! Je viens de rencontrer Spider-Man ! Quoi ? C'est dingue ! Eh, tu lui as montré notre appli de piratage ? Oh non ! J'ai complètement oublié ! Oh, t'assures pas ! Il te l'aurait forcément acheté et on serait devenu célèbre. Ouais, je lui montrerai la prochaine fois. Faut que j'y aille, j'ai promis à ma mère que je serai pas en retard. Ok, à plus alors. Ok, application de piratage débloquée. Passer par là. Donc on joue Miles. Je sais pas où je dois aller. D'accord, on doit aller devant. Allez, parfait. Circuler. Pourquoi il y a les keufs ici? D'accord, il y a eu un accident certainement. Peut-être des démons qui ont attaqué. Alors, viser pour pirater, L2. On n'a plus de piratage. Est-ce qu'il y a encore ? On a changé la musique, je crois. Plutôt pas mal, la petite musique. Alors, où on doit aller ensuite ? Droit devant, parfait. Il y a des agents de sable. Ok. Ça va mettre des plombes. S'il n'y avait pas ce drone... Je passerai par-dessus la barrière. Ok, on peut pirater le drone pour passer par-dessus la barrière. Ouah, c'était trop facile. J'y crois pas. Le système de sable, c'est vraiment une passoire. Je me demande si je devrais pas... Ok, il y a un second drone par contre, hein, il me semble. Où je dois aller? Je sais pas où je dois aller. Je vais le repirater. Ok, petite application. Je sais pas où je dois aller, les mecs. Laisse pas tomber. On va pirater le tableau. Ok. Alerte. Bon, d'accord. Et je dois aller là-bas. Ok, on y va maintenant. Les phases d'infiltration sont quand même assez simples. Je peux passer sous la barrière à gauche ou par l'échafaudage à droite. Ah, j'ai deux passages. L'échafaudage à droite. Non, est-ce que je peux trouver un autre chemin? On peut passer par là. On va prendre l'échafaudage parce que c'est le premier chemin que j'ai trouvé. Et normalement, ça devrait le faire. On va voir. Alors, on longe. Lui, encore on va le pirater. Je dois les désactiver. Ces drones-là sont ok, armés. C'est piraté, parfait. On va grimper. Repérer. Lui aussi, on va pirater. Et bonne voilà, nuit. Comme ça on est tranquille. Ce serait tellement cool si c'était un peu moins flippant. Là, oh là là, oh là là. Ok, c'est moi. Bon. Il est dérangé. Putain, okay. Je pouvais passer directement je en fait. Sorti. Je sais pas pourquoi ça a bugué. Alors, est-ce que le mec il est fort au basket? On va regarder. Salut maman. Salut mon chat, ça va? Tu es bien arrivé au refuge, fils? Ouais, j'y suis presque. Mon chéri, tu n'es pas obligé de travailler à ce refuge, tu sais. T'as dit on que peut je pas devais... rentrer. Non. Pour regarder à travers le grillage. Ouais, ça vaut est-ce qu'il est bon le mec enfin, on va voir ça. Ça m'a aidé, hein. Le gars me dit parce que c'est la même séquence la à chaque manière. Fois aussi. Moi, c'est ça ma manière. Pouh là 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 là, il est trop fort. Maman. Oui. C'est pas parce que j'ai pas envie d'en parler que je t'aime pas. Oh, mon chéri, je t'aime tellement. On s'en sortira, d'accord? Je dois y aller. Je t'appellerai sur le chemin. Ok, on va voir si c'est deux fois les mêmes séquences. Alors normalement, il devrait partir sur la gauche et shooter de loin. On va voir. Ouais, c'est exactement les mêmes séquences. Exactement les mêmes séquences. Alors, où je dois aller? On doit aller au Fist. C'est parti. Alors, pourquoi Miles veut aller au Fist? Il sait peut-être que c'est un lien avec, avec Martin Lee, peut-être. Je sais pas. Je vous jure, je les vois. Je les entends. Bon, respirez calmement. Je reviens, monsieur Hodges.
Miles. Peter, désolé pour le retard. Non, c'est rien, je suis content de te voir. D'accord, alors, qu'est-ce que je peux faire? Tu pourrais commencer par te familiariser avec le centre, parler à des gens, en distribuant du café. Café, ok. Et je passerai te voir pour vérifier si tout va bien, d'accord? Ouais. Oh, t'en fais pas pour Monsieur Hodges. Il mord pas. Enfin, pas trop. T'es sûr? Il chie dessus. Bon, du coup. On dirige café. Toujours Miles. Merci. Je peux aider? Demande si tu peux me dire ce que c'est qu'un quark. C'est une particule subatomique. Ce sont les éléments constitutifs des protons, des neutrons, des hadrons. Subatomique. Ça rentre? Tain, comment tu veux savoir ça? Oh, c'est de la camelote. Comment tu veux savoir ça pour les quarks, sans déconner? Je peux jeter un œil? Hein? On a des tubes cathodiques au lycée. Je sais comment ça se répare. Tubes cathodiques quoi? Non, suffit de... Mais tu... trois fois. Et ça repart. Ou il y a un faux contact, peut-être. D'accord. Eh ben vas-y, essaie, hein, monsieur le petit génie. Allez, à toi de jouer. On va essayer de lui régler la télé, maintenant. Oui, donc je commence à comprendre pourquoi il disait que tout ça... Le corps était rendu à l'agent Jefferson Davis, le héros tué lors de l'attentat à l'hôtel de ville. D'après de nouveaux témoignages, il aurait utilisé son corps comme bouclier pour protéger des gens de l'explosion. Hé, hey, nouveau, je suis à sec, là. Un héros? Il a rien fait d'héroïque, il s'est juste fait sauter. Ah, Ernie, je vous présente Miles. Il vient donner un coup de main. Vous avez dû entendre parler de son père, Jefferson Davis. Avec tout ce qui lui arrive en ce moment, c'est plutôt sympa qu'il soit venu nous aider. Pas vrai? Ouais. Merci. Écoute, gamin, je suis désolé pour ton père. Bien, Miles. Ma tante a besoin d'aide en cuisine. Non, ça va. Heureusement que Peter est arrivé parce qu'il disait de la merde. Tante May, je vais devoir y aller, mais j'ai amené des renforts. Ah, Miles, je suis ravie de te voir. Bien, mets un tablier, lave-toi les mains et je te fais visiter. Donc voilà, ce que je disais, c'est que c'est vraiment des parties pour rallonger la durée de vie. Merci du jeu. Hein. Que t'as dit là-bas. Pas de quoi. Il est presque midi. Sable va déplacer le docteur Michaels. Il faut que j'aille à la Bowery pour le retrouver. Allez, on reprend le cours de l'histoire. Parce que bien sûr, les agents de Sable vont déplacer le docteur Michaels. Et on devait aller le trouver absolument. On se souvient tous de notre intervention dans le Central Park. Mais on était tombés sur Standish, qui nous a justement dévoilé que Michaels allait être déplacé par les agents de Sable. Donc là, ça y est, on reprend le cours de l'histoire. Cette partie avec Miles, je ne sais pas vraiment à quoi elle a servi, hein, faut être sincère. Hein. Allez, on remet notre tenue de super-héros, c'est parti. Alors, du coup, où on va maintenant? On va avoir un truc d'indiqué. Salut, oui, Yuri. C'est bon. Je me rends dans le... Est-ce que c'est loin? C'est pas loin du tout. Michael sera bien à l'abri dans son... Alors on a un point de compétence en plus. J'ai entré à votre place. Silver Sable a été très clair. Vous n'êtes pas le bienvenu. Eh bah qu'est-ce qu'elle va me faire? Me tirer dessus? Honnêtement, il y a 50% de chance. Ah, ok. Je serai dans les environs, mais pas trop près. Au cas où. Quartier de la Bowery. C'est le docteur Michaels. Ok, ça y est, on est arrivé. Je commence à bien maîtriser les déplacements. Une vraie force, les déplacements. Michaels, c'est le souffle du diable. C'est le ah oui, c'est vrai. Le souffle du diable, c'est un... Faites-y attention. Entre de mauvaises mains. C'est un truc biologique, c'est vrai. Nous sommes les meilleurs au monde. Je me sens déjà bien mieux. Code 381, le paquet est en route. Par ici, docteur Michaels.
Ouh là là, il va avoir de l'action, je le sens. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. C'est ça, c'est les démons. Il serait temps que Spidey arrive. Ok. Ne me touche pas, tout est sous contrôle. Ah oui, je vois ça. Mon cul, tout est sous contrôle. Allez, Spidey, rattrape-moi ce camion. Yori, je suis à la poursuite de Martin Lee. Je crois qu'il détient le Dr. Michaels et le souffle du diable. Bien reçu, je vous envoie des unités. Il garde Michaels en vie, c'est bon signe. Sans doute pour le forcer à fabriquer plus de souffle du diable. Oh, je dois arrêter ce camion, ce tank, enfin ce truc quoi. Ils sont partis où? Ils sont partis de l'autre côté. Oh putain, je vais les rattraper juste là. Ok. On va faire de l'esquive, ça n'a pas marché. Ah c'est pas mal là. Putain, le fait de les attacher comme ça. C'est bien foutu, oh vraiment bien. C'est excellent, excellent. T'es tout le temps surpris, il y a toujours des nouvelles techniques. Là en gros ils balancent l'étoile contre les murs. Et les mecs. Oh putain. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Donc du coup ouais, il envoie l'étoile contre les murs et il embarque les mecs. Ok. Effectivement, il y a de l'action. Je dois éliminer les types dans les camions avant de poursuivre lui. Ok, d'accord. Faut que je m'occupe des voitures avant. Ah, oh, c'est excellent. Oh là là. Une réalisation du tonnerre. Victime de frein. Où en êtes-vous? Vous avez capturé. Oh, excellent. Je suis sur le coup. Je vous prends ça. Qu'est-ce que vous me faites là? Je t'offre une nouvelle perspective. Oh putain, il a réussi à m'hypnotiser. Qu'est-ce qui se passe? Pour être honnête, j'espérais te conduire ici. Mes capacités me confèrent un certain pouvoir de persuasion. Ah, une petite phase psychologique
Eh bien écoutez, cette petite phase psychologique, vous la verrez dans le prochain épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se donne rendez-vous bientôt. À plus dans le bus. Et à très vite.